Amen, amen. De la Genèse à l'Apocalypse, tout ne parle que de Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous parler de lui. En Genèse, il est le bélier pourvu pour le sacrifice en remplacement d'Isaac. En Exode, il est l'agneau pascal. En Lévitique, il est le souverain sacrificateur. En Nombre, il est la nuée le jour et la colonne de feu la nuit. En Deutéronome, il est la cité de refuge. Et en Josué, c'est lui le fil écarlate accroché à la fenêtre de Rahab, le fil qui épargne la vie. En Juge, il est le juge qui juge avec justice. En Ruth, il est le proche parent qui nous rachète. En 1 et 2 Samuel, il est le prophète digne de confiance. En 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, il est le roi souverain. En Esdras, il est notre scribe fidèle. En Néhémie, il est le reconstructeur, celui qui restaure toutes vos ruines. En Esther, il est Mardoché, fidèlement assis et plaît dans votre cause. En Job, il est notre restaurateur qui vit à jamais. En Psaume, il est notre bon berger avec lequel nous ne manquerons de rien. En Proverbe et Ecclésiaste, il est notre sagesse. Et dans les Cantiques de Salomon, il est l'époux merveilleux. En Ésaïe, il est le serviteur souffrant. En Jérémie et dans ses lamentations, c'est lui le prophète sans larmes. En Ézéchiel, il est l'être merveilleux aux quatre faces. En Daniel, il est la quatrième personne, l'homme mystérieux dans la fournaise ardente. En Osée, il est l'amour du Dieu à jamais fidèle. En Joël, il nous baptise du Saint-Esprit. En Amos, il est celui qui porte nos fardeaux. En Abdias, il est l'homme, notre sauveur. En Jonas, il est grand missionnaire, porteur de la parole de Dieu pour tous. Et plus loin, en Michée, il est le messager qui est magnifique. Il est celui qui nous venge en Nahum et en Habacuc. Il est la sentinelle qui prie sans cesse pour nous. Il est le Seigneur Tout-Puissant pour sauver dans Sophonie. En Agée, il est le restaurateur, celui qui restaure toutes nos ruines. En Esther, pardon, c'est plus fort que moi. Alléluia. En Agée, il est le restaurateur de notre héritage perdu. En Zacharie, il est notre fontaine, la source intarissable. En Malachie, il est le roi, le soleil de justice, avec la guérison sous ses ailes. Et vous continuez, et vous voyez qu'en Matthieu, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. En Marc, il est le faiseur de miracles. En Luc, il est le Fils de l'homme. En Jean, il est la porte étroite, l'unique chemin qui mène à la vie éternelle. En Actes des Apôtres, il est la lumière qui apparut à Paul sur le chemin de Damas. En Romains, il est notre justification. En 1 Corinthiens, il est notre résurrection. En 2 Corinthiens, il est celui qui a pris nos péchés sur lui. En Galates, il est celui qui nous a rachetés de la loi. En Éphésiens, il est notre richesse insondable. En Philippiens, il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. En Colossiens, il est celui qui habite et en qui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. En 1 et 2 Thessaloniciens, il est notre roi qui revient bientôt. En 1 et 2 Timothée, il est le médiateur entre Dieu et l'homme. En Tite, il est notre bienheureuse espérance. En Philémon, il est l'ami plus attaché qu'un frère. En Hébreu, il est le sang. Il est le sang qui renouvelle l'éternelle alliance. En Jacques, il est le Seigneur qui guérit les malades. En 1 et 2 Pierre, il est le berger des bergers, le souverain pasteur. En 1, 2 et 3 Jean, il est Jésus, plein de tendresse et d'amour. En Jude, il est notre Seigneur qui revient au milieu d'une nuée de juges de 10 000 saints. Et en Apocalypse, il est notre révélation, celui qui nous révèle les choses à venir. Amen.